Natal, c'est avant tout une équipe avec laquelle on travaille depuis des années. Donc l'album, c'est moi au milieu. Et en fait, c'est plutôt du pop-rock et un peu d'électro. C'est quoi? C'est des textes du quotidien? C'est de la révolte? C'est un message? Alors, il y a des messages. Il y a du quotidien. Et puis, il y a de la révolte. Je trouve ça un peu facile. J'ai trop d'écho. J'ai pas d'égal. Ça me fait du bien. J'ai composé des chansons sur cet album. Mais c'est vrai que c'est Loïc en fait qui met vraiment tout en place, c'est-à-dire que lui va bosser dans son coin, ensuite il va me proposer des mélodies que j'accepte ou pas, et puis ensuite on fait venir les musiciens au studio, donc on enregistre au studio Quasar, où ce sont des musiciens, il y en a un qui habite au Maroc, qui vient pour nous. Alors t'es une chanteuse pop, qu'est-ce que t'as fait de fou de pop ces derniers temps? Qu'est-ce que j'ai fait de fou de pop ces derniers temps? Je fais du sport et j'ai fait des fentes. Des fentes? Et ça, c'est pop pour les fesses. C'est vraiment un album qui est facile à porter sur scène. Donc essayer de commencer une résidence en mai dans la région pour ensuite essayer de faire des concerts à Paris en juin.